Philippe Bouvard officiel vous propose le cultissime Grosse Tête. Bonjour, elle a fait de sa glotte un comté teuton, Marianne James. Un comté teuton, il faut le faire, un teuton, oui. Un comté teuton. En d'autres temps, il eût été le plus grand des petits marquis, Pierre Bénichoux. Oh. Il est le chansonnier le plus attaché au Tibéri, Jacques Maillot. Si on l'avait écouté voilà 20 ans, les Chinois ne seraient pas 1,5 milliard aujourd'hui. Jean-Yann. Alors ce soir, faites la fête avec vos voisins. Ah ouais. Puisque on avait déjà inauguré ce concept l'an passé, ça avait très bien marché. C'est l'association Immeuble en fête qui, pour créer des villes conviviales, invite les voisins à se rejoindre dans le hall de l'immeuble afin de boire un verre ensemble. C'est une belle idée, hein. Mais comment on fait quand on a un hôtel particulier, c'est emmerdant, qu'est-ce qu'on peut faire? On est obligé de voir sa femme. Ça existe depuis longtemps, déjà depuis plus de 10 ans dans la région de Toulouse avec le groupe Les Fabuleuses Troubadours, qui sont un groupe de rappeurs toulousains. Et ils ont monté une assos là-bas où tous les voisins descendent en même temps et viennent manger. On fait des pique-niques dans la rue comme ça. Et ils l'ont organisé dans plein de villes de France. Et puis il y a aussi la ligne verte aussi, où tout le monde va pique-niquer le 14 juillet. Avec la super nappe qui fait 2000 km. Et puis tout le monde veut manger avec tout le monde. Non, mais vous êtes le syndicat d'initiative Nous, je on très bien. Tout ça en passant, on n'a pas demandé la liste complète des trucs. Ça fait combien d'années que tu n'as pas pique-niqué? Ça va être un pique-nique. Franchement, vraiment, à la campagne, les pieds dans l'herbe. Attends, pique-niquer pas, mais niquer tout court, oui. Ça fait combien d'années que tu n'as pas niqué? Ça va être un pique-nique pour 2 millions de Français, le 14 juillet. Et alors, on a sorti effectivement une nappe énorme à la mesure du nombre des convives. Jolie, ça va être très très bien. Hein. C'est la nappe de l'Erika, c'est ça? Alors déjà qu'au 14 juillet... On s'emmerde avec les pétards et tout. Ça dépend, pas toujours. C'est une connerie. En plus, tous les ploucs vont becquer les odeurs. Je vous sens un peu blasé, là. Et du sifflard. Heureusement, je ne serais pas là. Oh là 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 là. Non, mais c'est dommage d'en arriver à des choses organisées à si haute échelle pour que les gens se rencontrent. Mais si ça peut faire avancer quelque chose, que les voisins mangent entre eux, je trouve ça plutôt sympa. Non, mais une nappe de 2 km², vous brodez, là. Ah oui. Non, elle est déjà inscrite. Moi, j'aime bien le principe du pique-nique, ça me déplaît pas. Qui est une jolie nappe. Bon, je l'ai mieux sur une table, c'est sûr, avec des sièges confortables. C'est plus un pique-nique. Des chandelles, des choses comme ça. Mieux que ça soit le soir, avec de la musique. Et puis, des trucs là, comment ça s'appelle? Des murs. Des murs. Et un toit. Et des tapis, de la moquette, un orchestre. Ben non, mais moi je préfère l'herbe. Voilà. Mais les petites bêtes. Moi, je préfère elles sont gentilles. Elles ont bien plus peur que moi. Enfin, je vous donne une petite bête, c'est gentil. D'abord, il faut la chercher quand elle remonte dans le... Alors, on dit, mon Dieu, où est-ce qu'elle est? Oh, ça gratte et tout. Si j'ai quelques trucs qui me grattent, là, tiens. Les hommes, et tout. Ça se voit que ça fait longtemps que vous n'avez pas pique-niqué, hein. Moi, je préfère la moquette à la pelouse, moi, comme je disais. Moi, ça... Non, c'est agréable. Il y a plus de maillots. Maintenant, il y a des produits en Tibet. On peut fumer la moquette, c'est difficile de fumer la pelouse. Tu vois ce que je veux dire? Oh non, mais pas coutumier du fait, ça se voit que ça fait longtemps que vous n'avez pas fumé. Vous n'êtes pas très bucolique. Non, mais la petite rivière à côté, c'est super, les coups de soleil, la guêpe. La guêpe qui vient dès qu'on a sorti le melon, c'est super. Non? J'aime bien les rivières, moi, parce qu'on peut jeter les sacs en plastique. Et ça part tout seul. Dès qu'on a bouffé, parce que c'est sûr que chez soi ou dans son jardin, tous les détails, tout, on va les foutre quelque part. Ouais. Tandis que là, au bord de la rivière, la peau de saucisson, allez, à dégager, les plastiques, hop. Ah, puis le grand jeu, là, une petite bête s'est cachée sous la jupe de Marianne, cherchons-la. Alors là, oui. Il y a du travail. Hein. Ah oui. Mais même pour la petite bête aussi, je veux dire. Mon cœur, ici, qui va te battre, ici, le genou, à nouveau. Non, mais nous nous éloignons de la nature et c'est dommage. Mais pas du tout, sous ma jupe, c'est très naturel. À
Ah, j'aimerais bien passer une soirée, là je me ferai des relations. Alors là, non, franchement, Philippe. Philippe, non. Moi, non. D'habitude, je ne prends pas le parti des dames, mais là, vraiment, vous allez un peu trop loin, je trouve. Quand on est sous la jupe, on va forcément loin. Il n'y a personne que vous connaissez sous ma jupe. Non, vous ne les connaissez pas. Non. Ça ne serait pas vos amis, en plus. Non. Mais je vais vérifier. Attendez. Ah, quoique. Ah, peut-être que si, je vous en parlerai alors dans ce cas-là. Ah oui? La prochaine fois qu'on fait une réunion sous la jupe, je vous appelle. Prendrez une carte, hein, parce que vous pouvez vous écrire. Il n'a pas tort, mon filou, vous êtes paumé. Ah non, filou, ça c'est ma fesse, non, c'est pas de ce côté, non. Quoi? Oh, ils sont choqués, oh. Non, je rêve, je me vois faire de l'escalade. Oui, ah, tout à fait. Des rappels sur la face nord. Oui, vous venez votre petit piolet? Oh. C'est la sortie violée. Je demande simplement de pouvoir me reposer à mi-parcours. Alors, ça c'est une nouvelle qui va faire du bruit dans le Landerneau scientifique. C'est un véritable coup de tonnerre et en même temps une cruelle désillusion. On pensait que l'homme avait 150 000 gènes, puisqu'on est en train de décrypter le génome humain. Et on n'en a que 30 000. Vous vous rendez compte? C'est décevant. 30 000 gènes. Seulement, j'en ai pas autant. 30 000. Ouais. Moi, je sais que le 12 748e, il est bien. On a perdu 120 000 gènes en une journée. Ouais. C'est terrible. Eugène. Ouais. Il y a de l'Eugène, il n'y a pas de plaisir. Oh oui, fallait la faire, celle-là. Oui, je la fais, je vous emmerde. Voilà, c'est tout. Parce que ça veut dire, les autres, ils ont le droit de faire tout, puis moi, jamais. C'est parce qu'il a mal à sa jambe, Pierre, ouais. C'est pour ça. Ah ben, je morfle. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il a? Mais il a une sciatique, le pauvre vieux. Ouais, ouais, j'en parle pas, mais... Il souffre en silence. Il souffre en silence. Il a une raideur de la jambe, il y a longtemps que ça ne lui était pas arrivé, mais... Pierre, faut pas laisser dire ça. C'est gentil, je suis déjà accablé physiquement, je peux m'aider moralement, en plus. Et puis, alors, une bonne nouvelle, enfin, au moins pour deux personnes. Jack Lang, le ministre de l'Éducation, il a engagé un jeune agrégé de philosophie pour rédiger ses discours. Ah, très bien. Et vous savez qui c'est? Non. BHL. Il s'appelle Ali Badou. Ça vous dit quelque chose, Ali Badou? Je crois que c'est Ali Baba, mais... C'est l'ancien fiancé de Mazarine. C'est pas vrai? Mais oui! Oh, en famille! Comment on se retrouve? Ah, oui. Oh, il va être heureux. Ali Badou, c'est Ali une Badou. Chanson... Ali Badou, mon temps de Badou! Ali Badou, mais son cochon! Il quitte Mazarine pour Jack, hein? C'est pas mal, hein? Oui. Non, c'est pas mal. Il sera peut-être aussi heureux. Mais peut-être que les mises en plis de Jack sont peut-être plus réussies que celles de Mazarine, je veux dire, sur le plan de... Ah, et puis Jack est beaucoup plus chic que Mazarine. Ah oui, Il va chez les grands. Mais qu'est-ce qu'il fait alors maintenant, celui-là? Jack? Il s'occupe, je crois, d'éducation nationale. Il achète des gommes. Tout ça. Les récréations, les trucs. Il s'occupe, quoi. Non, mais il fait des choses ou pas, non? Si. Non, il n'est pas là pour ça, hein. Non, il est là pour noyer le poisson, quoi. Oui. Oh. Ouais. C'est facile de dire ça, hein. Non, mais il est là pour pas embêter les profs, quoi. Pour pas les embêter. Il tient la main du jeune tagueur. Je veux dire... Ah, il a beaucoup fait pour le tag, hein. Oui, le tag, oui. Beaucoup. Très bien, moi. Il a dit que c'était une œuvre d'art. Certaines, oui. Ah oui, certaines, oui, complètement. Ah oui, quand on prend le train, qu'on voit sur les, très beau, les maisons, partout, là. Si, il y en a quelques-unes qui sont absolument... quelques-uns de tags qui sont absolument magnifiques, oui. Ouais. Mais il n'y a plus de déclarations comme on en faisait. Juju, M, Nanar, il n'y a plus ça. Ah, ça, c'est fini. Ah, mais ça, le tag, c'est fini, oui. Oui, il y en a encore un peu dans les salisettes, des trucs comme ça, là. Ah non, mais c'est Juju M. Lulu, hein. M. Lulu, oui. Mais c'est dans l'Observateur. Il n'y a plus besoin d'envoyer des messages comme ça dans les shops, puisqu'ils ont publié deux pages dans l'Observateur. Dans le Paris Boum Boum et dans l'Observateur, ben oui. Oh, pas le Boum Boum, forcément. Boum Boum. Non, c'est dans Libé, surtout. Dans Libé, absolument. Il n'y a rien dans Libé. Ah, Libé aussi. Ah, Libé, l'autre jour. Non, Libé, c'est pas seulement ça. Libé, c'est des crétins qui sont rencontrés dans le métro. Souviens-toi, tu étais blonde, tu tirais sur ta clope. Nos regards se sont croisés, si ça t'intéresse, 26, 81, 17, 9. L'autre jour, il y avait un infirmier coprophage qui cherchait un partenaire
pour déjeuner à la campagne. Et plus si infinité. Et plus si infirmité. Non, c'est vrai que les petites annonces ont remplacé qu'on sculptait dans les arbres. Hein. Franchement, c'est Philippe, pareil, vous avez déjà sculpté dans un arbre, vous? Oui. Vous avez pris un petit couteau un jour, vous avez fait un petit cœur et vous avez mis vos initiales. Exactement. Avec celle de, les initiales de la demoiselle aimée. C'était quel âge? Et je ne l'ai jamais revu. L'arbre? L'arbre? Vous n'avez jamais revu l'arbre? C'était où? Où il est l'arbre? C'était où l'arbre? Il est où? Bah, il est dans la forêt de Saint-Germain en l'air. Ça va faire l'objet d'un concours. Ah oui, on fait un concours. On fait un rallye pour retrouver le... C'est une inscription à un mètre, hein, parce que c'était Philippe. N'allez pas chercher des trucs. Et alors les initiales, c'est quoi? PB et qui? Elle s'appelait Juliette, en plus. Oh, bravo! Elle était un peu plus âgée que moi. Ah, vous avez mis un peu plus vieux. Dans le couteau, dans le bois des tables bancales, mon pauvre Philippe. Il a les larmes aux yeux quand il raconte ça. Non! Eh oui, les souvenirs d'enfance. C'est tendre. L'arbre, c'était quoi? L'arbre, c'était un chêne, à cause des glands. Ah ouais! Question de M. Maignan de Niort, qui a dit « Quand on fait l'inventaire des ustensiles de cuisine que les balèzes du Jésus Fan Club n'hésitaient pas à enfoncer sous les ongles des hérétiques, ce n'est pas sans une certaine appréhension qu'on va chez la manucure. » C'est des proches, ça, non? C'est des proches. Ah ouais. Bonne réponse de Jacques Maillot. C'est vrai qu'il y avait une panoplie redoutable, là. Hein. Redoutable. Ouais. Pendant l'inquisition, ils voulaient tout savoir. De tout. Ils étaient curieux. Pas qu'on dise, on était coupables, je crois. À Florence, moi, j'étais allé voir le musée de la torture, ça fait les flumes. Ah oui. Sans parler des brodequins. Alors, ce qu'ils ont inventé, les mecs, c'est incroyable. Et les gens qu'on mettait à cuire dans l'huile bouillante. On ne raconte pas, c'est que ceux qui torturaient déjà à l'époque, ça leur faisait du plaisir. Au nom du Seigneur, en plus, c'est ça qui est horrible. Moi, oui, pauvre Seigneur. Les gens qu'on mettait à cuire quand c'était. Quand on plongeait dans la bouillante encore, ça allait, comme les homards. Ouais. Et les mecs qu'on mettait à cuire à l'eau froide. Ouais. Ah ça c'est, oui, le temps de... Le temps que ça frémisse. Alors ça commençait à être un peu tiède. Vous vous rendez compte, un homme comme vous et moi, hein, une heure par kilo, ils sont pas à table. Hein. Ah c'est chic ça, ils sont pas à table. Je vais dire, hein, non mais c'est froid dans le dos. Ah ouais. Mais la cuisson du... Au début tu es content, tu dis un peu plus chaud, c'est bien comme ça, passez-moi le savon. Non, mais c'est trop chaud. T'as un mec qui est en train de te saler la tête et tout. Ah oui. Moi c'est agréable. Moi j'y croyais pas, c'est quand ils ont préparé la moutarde que j'ai vu. Ah, une belle leçon de démocratie qui nous vient d'Islande. Faute de candidats se présentant contre lui, l'actuel chef d'État sera reconduit pour 4 ans dans ses fonctions sans aucune élection. Tranquille, ça, c'est formidable, ça. Ah, s'il est bien. Ça, les gens, ils veulent pas... Ça coûte de l'argent, faire les élections. Il fait des économies, comme ça. On perd du temps. Islande, il faut y aller voter. C'est plein de neige et tout. Oui, et puis il faut les bourrer, les urnes. Oui, surtout si on habite Paris, ça fait loin. Ah, ouais. Mais en général, ils prennent les mecs du coin pour voter. C'est de là qu'elle vient, la petite, là, qui a gagné l'Islande. Oui, York. C'est épouvantable, ce nom. Björk, ça fait un peu... Non, York, c'est elle qui a eu la gerbe. Ouais. Oui, c'est ça. Voilà, un physique amusant. Elle est mignonne, hein, amusant, oui. Ouais. Elle a dit que c'était son premier et son dernier film. Oui, c'est ça qui est bien, parce que maintenant, pour avoir des prix à Cannes, il faut jurer qu'on n'en fera plus jamais. Oui. Déjà l'année dernière. Oui, c'est ça. J'ai fait ça par hasard, mais j'y reviendrai pas. C'est pas un métier d'avenir. Hein. Donnez-moi le prix et je vous promets que je reviendrai plus. Peut-être que simplement ça montre que des gens qui sont extérieurs à ce milieu-là et arrivent avec peut-être une fraîcheur, que parfois le cinéma n'a plus, tout ça est très 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 convenu, très croisé, très laqué. Voici une remarque sans aucun intérêt qui vient d'être... Non, je sais pas, mais... Vous le trouvez pas frais, Jean-Yann? On n'est pas là pour être frais. Non, mais c'est une profession qui se regarde beaucoup. Quand on va à Cannes, c'est pas parce qu'on est frais. C'est parce qu'on veut faire passer les frais. D'accord.
Mais peut-être, non, mais c'est peut-être pas pareil. Le milieu du tout cinéma. Tout le monde a 15 vies sur les notes de frais. Oui, mais ça, on le sait, il y a plein de gens. Moi, je connais plein de gens qui n'ont rien à voir avec le cinéma et qui sont invités là-bas. Non, oui, bien sûr. Bah, si, je ne sais pas ce qu'ils vont y foutre. Vous diriez qu'il y a des abus. Non, je dis que ça promène les Parisiens, qu'ils ont du soleil, voilà, ils vont aller voir deux bonnes femmes bien coiffées et tout. C'est vrai, il y avait un type. Je suis désolé, mais tous les magazines parlent de ça, parlent que de ça. La page théâtre de je ne sais plus quel canard que j'ai vu il n'y a pas longtemps, elle est reléguée en page 47, une seule page. Tiens, sortir à Paris, il y a deux articles minables sur ce qui se passe en ce moment à Paris, parce que tout d'un coup, tout le monde est sur la croisette. Alors c'est que c'est une. Vraiment, franchement, c'est. Pff, cette semaine-là, plus celle de Roland Garros derrière. Ah là là. Et derrière le Tour de France. Il y a le prix de Monaco aussi. Ah chiant. Après, il y a Roland Garros, et puis après, il y a les élections. Ça fait bouger les attachés de presse parisiens, voilà, exactement. Puis après, il y a la rentrée et tout, oh là là, quelle horreur. Et puis, il faut aller chercher les livres et tout, acheter des plumiers. Ouais, puis après, la vague de froid, tout de suite après. Puis après, il y a Noël, et on va se marcher encore. Les cartes de vœux, les conneries. Non, mais franchement, tout ce qu'on voit de Cannes, les escaliers, ceux pour monter. Ah, les rois sur scène. Allez, vas-y, Marianne, vas-y. Mais parfaitement, je n'y vais pas, justement, je n'y vais pas. Pourquoi tu n'y vas pas, toi, à Cannes? Quoi? Pourquoi on ne t'y voit pas, à Cannes? Pourquoi tu ne montes pas les escaliers? Parce que j'aborderai le métier. Pourquoi tu ne mets pas de la laque? Il a une sciatique, il ne peut pas monter. Bah voilà, déjà. Pourquoi tu ne mets pas de la laque sur ton chignon? Pourquoi tu n'as pas des fossiles comme ça? Non, attention. Pourquoi tu n'as pas 12 grammes de On dérape, là, hein. On dérape. Non, mais c'est pour ça que l'année dernière, il y a une fille complètement inconnue qui a gagné, aujourd'hui une chanteuse, et why not, quoi. Non, elle dérape d'autant plus que à Berlin, il y a eu, la police fait campagne en faveur des homosexuels. Pour un engagé? Non. Non, déjà fait. C'est pour désamorcer les agressions. Contre les. Voilà, les gommer un peu ce climat. Un peu tendu, quoi. Plutôt tendu. Tendu, quoi. Alors, ils ont fait. Ils ont placardé des grandes affiches où on voit deux messieurs. Et il y a marqué en dessous Karl est homosexuel. Boum. Il a 65% dans les sondages et l'autre il a 54%. Non. Murat aussi. Ah, parce que j'en étais sûr. Murat, j'en étais sûr. Je l'ai dit à sa mère d'ailleurs, elle voulait pas me croire. C'est dans les journaux maintenant. C'est vrai que Murat, il en est comme 36. Ah, Murat, hein. Oh là là, Murat. Ouais, il faisait le boulevard sans arrêt. C'est tordu, Murat, moi. Et ils appartiennent à notre communauté à tout instant. Et ce sont évidemment les homosexuels et les lesbiennes ont été très sensibles à ça parce que les policiers. Dans les Allemands, il y a plein de télé, c'est ça l'idée. Oui, si vous voulez. L'échevènement, qu'est-ce qu'il a dit ça? Deuxième citation envoyée par M. Rapin qui a dit: les Anglais gardent toute leur vie l'air perplexe et pourchassé d'hommes engendrés à la hâte entre les heures de bureau. Oh là là. Ah, il y a c'est du. C'est un anglophobe, ça. Il y a du vrai là-dedans. Mais non. C'est quelqu'un qui les a bien connus? Eh bien, qui, pour l'heure, vit plusieurs mois de l'année à Londres. Ah, il les connaît bien, alors. Vit plusieurs mois de l'année à Londres. Un écrivain? Écriveur, mais pas seulement écriveur. Un gars qui fait de la mode? Non. Non, c'est un homme politique? Non, c'est un type très bien. Il est. Il est plein d'humour et de talent. Il fait un peu acteur? Il fait l'acteur. Ustinov. Wow. Bonne réponse de Jean-Yves. Ah, l'air perplexe et pourchassé d'hommes engendrés à la hâte entre les heures de bureau. C'est vrai qu'il. À la hâte, hein. À la hâte. Ah, oui, c'est vrai que les Anglais, ils sont toujours un peu. Ils ont un côté épouvanté. Cela dit. On dit des phrases aussi toutes faites à l'étranger sur les Français. Regarde c'est le pas ministre vrai. Des Affaires étrangères de Blair, la Robin. Williams. William Robin. Oui. Il est complètement épouvanté. C'est vrai, il a été fait à la hâte, celui-là. Ah oui. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais Tony, il est sympa, Tony. Très, hein. très. Ouais. Fif, hein, si on en joue. Ah, avec sa chérie, là. Ah oui. Qu'est-ce qu'il dit? Enfin bref, on va voir. Mais il y va, hein. C'est fou, hein. C'est le cinquième, non? C'est le cinquième. Oh là, il a dû être ajusteur dans sa jeunesse. C'est un vrai petit travailliste, quoi. Il s'active. Ça, c'est quelque chose qui devrait vous effrayer un peu si vous habitez les beaux quartiers. Les souris prolifèrent à Paris, et notamment
dans le quartier de la Madeleine. C'est vrai qu'on les voit parfois le soir dans certaines rues. Il paraît qu'elles sont chassées par les rats, c'est ça? Ça serait... Elles remontent, on les voit parce que... Chassées par les rats, mais protégées par les macros. Ouais. Rue Godot de Morois, là, par là. Oui, ouais. Oui, il y a beaucoup de souris, là. Ah oui, dans des... elles sont souvent dans des voitures allemandes. Oui. Il y a une lumière dedans, c'est peut-être... C'est la lumière qui les attire. Ça peut être ça, oui. C'est le fromage. Non, mais il y en a plein, plein, des souris à Paris. Plein, plein. Et des rats. C'est à cause du métro, là, des chantiers. Ouais, ouais. Si c'est les souris grises, c'est les Allemands qui nous les envoient. Hein. Non. Monsieur Yann a raison, on impute leur prolifération. Comment ça on impute aux travaux. Aux travaux nécessités par le nouveau métro. Ben oui, bien sûr. Et ça les a fait sortir des... C'est le RER qui... Et c'est dans les hôtels où il y en a le plus, les grands hôtels. Des souris d'hôtel, oui. Non, mais c'est vrai, parce que... Les poubelles. Il y a les poubelles, des cuisines, des machins comme ça. Elles montent le long des gaines de ventilation. Il y en a Et alors, elles montent vers l'opéra, mais là, comme il y a beaucoup de tapettes, ça devrait s'arranger. Mais maintenant, tous les grands hôtels, ils ne mettent plus d'étoiles. Ils disent, hôtel machin, 5 souris. On était dans un hôtel 2 souris, qui était pas mal. Alors, il s'est passé quelque chose de curieux au Congrès américain à Washington. On a défendu à la tribune le sort de Jojo. Jojo, c'est le chimpanzé, et qui d'ailleurs, avec plusieurs centaines d'autres, dépérit en cage depuis des années au service de la recherche scientifique. Et une femme qui est la spécialiste, l'ambassadrice de ces grands singes menacés, est montée à la tribune pour raconter le calvaire de Jojo qui vit derrière des barreaux. Elle a dit « Je l'ai regardé dans les yeux, je n'y ai vu aucune colère, seulement de l'étonnement et de la gratitude parce que je m'étais arrêté pour lui parler. Il a tendu un grand doigt et il a touché une larme qui coulait de mes yeux. » Oh la vache, je suis un peu bu. Faut pas... C'est émouvant. J'ai la gorge nouée, là. Faut pas nous faire des trucs comme ça, hein. D'autant que c'est vrai que c'est cruel pour le singe parce qu'il est dans une cage, pour la science, hein. Ouais. Parce que justement, ce qu'ils étudient, c'est les mécanismes de la dépression. Alors, ils le foutent derrière une cage pour qu'il ait le bourdon, pour qu'on voit l'effet que ça fait quand on a le bourdon, quand on est dans une cage. Et si on le sort de la cage, il n'est plus dépressif, il n'est pas content, mais on ne peut plus faire les recherches. Donc, il est condamné à... À rester derrière sa cage, oui. Alors, après ce témoignage qui avait ému tout le Congrès, il y a un député qui a remplacé la dame à la tribune, et qui a noté, lui, des ressemblances entre le comportement des chimpanzés et le comportement des députés durant les séances de vote à main levée. Oui, parce que les mecs, ils tendent un doigt aussi, comme les singes. Ouais. J'ai jamais vu un député rentrer dans l'hémicycle en se tenant par la queue et en descendant par le plafond. Bah, il devrait le faire. J'imagine pas André Santini faire ça, moi. Non, mais rouler, Santini, oui. Ah, vous faites bien le singe. Non, elle fait bien Santini. Je fais très très bien. Elle le fait bien, hein. On a envie de sauter de l'armoire. Ah ben ça c'est moi le matin. Mais c'est vachement bien de faire ça, je voudrais le faire, vous verrez. Ça donne envie de raconter les bruits qu'elle fait. C'est un type qui monte dans un avion et qui dit à l'hôtesse de l'air, c'est Paris-New York, alors il dit, je suis très emmerdé, je ne sais pas bien parler l'anglais. Alors elle dit, c'est aucune importance. Vous avez des écouteurs, vous mettez le canal 12 et il donne en anglais, des cours d'anglais accélérés. En 7 heures, vous vous débrouillerez très bien. Alors, il met son casque, il fait comme ça, hein, il reste comme ça pendant 7 heures, il débarque à New York, il va vers un taxi, le taxi dit « Where do you want to go ?» Il fait Elle est dure à raconter parce que le petit bruit final, il faut le faire. Hein, très, très bien. Mais vous pouvez faire aussi le film porno de Canal+, pas décodé aussi. Non, je peux pas parce que ça m'excite quand même. Si vous êtes un nostalgique de la royauté, il va y avoir une très jolie vente à Drouot, des objets ayant appartenu à la famille Romanov, un cahier d'arithmétique du tsarévitch Alexis,
Quand même. Un chausson du Tsarevitch enfant. Il doit être dur, le chausson. Un vieux chewing-gum du Tsarevitch. Oh, oui. Des chapeaux du grand-duc Cyril. Et surtout, alors, des souvenirs d'Élisabeth d'Autriche. Si, si. Deux têtes d'oreiller. Oh là là. Oh là là. Un mouchoir drapeau avec son portrait et celui de François Joseph à l'intérieur. Un mouchoir drapeau ? Oui, c'est un grand mouchoir. Ah oui, ouais. Ça devrait être, oui, grand, oui. Est-ce qu'elle s'est soufflé le nez dedans ? Non. C'est quoi ce langage ? Il y a encore un peu de mort séchée. L'ADN. On se bouche pas dans un mouchoir drapeau. Pourquoi on l'appelle mouchoir ? Alors pourquoi il s'appelle mouchoir ? Déjà, ça s'appelle un mouchoir, c'est pour se moucher. Si, si ou pas. Et vous croyez que c'est plus chic de s'essuyer sur une branche. Ah, puis alors, aller se moucher dans un drapeau, c'est pas pratique, il faut monter au mât. Ça enrhume, il y a du vent. Ah, ouais, j'ai entendu deux mecs qui se disputaient, il y en a un qui a dit « Je vais t'en mettre une, tu vas te moucher par la bouche, toi !» C'est vrai, je suis castré. Et vous fréquentez les bas-fonds, monsieur Bénichou. Oui, c'est un petit peu vrai, hein. Non, c'était de passage. Pourquoi trouve-t-on de plus en plus de faucons dans les aéroports ? Parce que les vrais sont pas. Parce que les vrais sont ailleurs. Non, c'est pour chasser les étourneaux. Non. Oui. Et les lapins aussi, il y a trop de lapins. Non, pas les lapins. Les étourneaux. Non, les faucons, ils s'attaquent pas aux lapins. Savez-vous pourquoi il faut chasser les étourneaux ? Parce qu'ils rentrent parce qu'ils peuvent se mettre dans les moteurs. C'est ce qu'on appelle le périlaviaire. Périlaviaire, ça veut pas dire les avions, ça veut dire les oiseaux. Voilà. Alors le périlaviaire, c'est-à-dire que souvent, des oiseaux se mettent dans les réacteurs, et que ça empêche les réacteurs de tourner. Et des fois, les avions tombent et ils tombent sur les maisons où il y a des mecs qui disent « Il y a trop de bruit la nuit, il y a trop de bruit la nuit !» L'avion, il écrase 2000 et ils nous foutent la paix. Et on peut... Une fois, je me trouvais à bord d'un avion qui a aspiré un oiseau. Un oiseau. Il n'y avait plus de moteur. Heureusement, il y en avait un autre. Okay. Mais... Et alors, quand les piafs, quand ils se prennent un avion dans la gueule, vous croyez que c'est gentil ? Oh, mais c'est rare qu'il y ait des moineaux qui puissent se transporter de 188 personnes. Un étourneau dans un réacteur de Boeing, des choses comme ça, ça arrête ça le moteur. Mais je comprends. Alors, il y a des faucons dans les aéroports, parce que s'il y a un étourneau rentre dans le moteur, tout de suite après, le faucon, il va le chercher. Il va le chercher. C'est comme ça, on est sûr que l'avion est cuit définitivement. Mais non, il récupère les tourneaux broyés et cuits à la sortie. Et il y a des hôtesses, quelquefois, qui avalent des oiseaux, mais pas pour les mêmes raisons. Alors là, non. Alors là, c'est dégueulasse. Non, quoi. Voilà, un mec aussi bien que toi. T'as pas le droit de dire ça. Ouais, ça peut arriver. T'as vu, non, mais t'es super chic. Ma mère était hôtesse de l'air, ma soeur est hôtesse de l'air. Ma femme est hôtesse de l'air. Je ne veux pas qu'on insulte ma famille pour faire rire. Moi, ma grand-mère est hôtesse de l'air. Un garçon aussi gentil que toi. Ouais. Mon père est hôtesse de l'air. Elles n'ont plus le temps, elles sont trop occupées pour faire ça. Bien sûr. Mais elles sont trop moches, surtout. Avant, elles étaient ravissantes. Elles sont pas moches. Alors, c'est foutez-leur la paix, ces pauvres hôtesses. Il faut qu'elles ramassent avec le nombre de gens qui sont malades, maintenant, ce que tu manges dans... Ah oui, par contre, ça c'est vrai. Ah ouais, je crois qu'il y en a qui gagnent 100 sacs par mois. Alors le problème, c'est que quelquefois, il y a des petits malins qui veulent faire des farces. Alors, ils prennent un sac, ils souffrent dedans et... Oh s'ils n'ont pas changé le sac du vol d'avant. Oh, c'est dégueulasse. Oh ah, puis pendant les loopings... Le type qui sort des WC. Vous pourriez prévenir. Il est tapissé. Bon, une interview de Michael Jackson. Je prononce bien maintenant. Très bien. Alors là, il n'y a rien à dire. Le chanteur ou le général ? Ah oui, c'est vrai qu'il y avait le général. Non, ça c'est le chanteur. En fait, c'est son cuisinier qui a révélé que précédemment il avait été employé par Marlon Brando et Jack Nicholson, mais là, depuis qu'il travaillait pour Michael Jackson, il avait fallu qu'il révise complètement sa conception du métier, parce que il ne mangeait les plats qu'il préparait que lorsqu'il leur avait donné un surnom qui plairait aux enfants. Alors il lui avait donc proposé la pizza de Peter Pan, l'espadon psychédélique, une carte entièrement dure à faire, enfin, mais infantile. Ça facile, hein.
Mais autrement, il mange pas grand-chose, Jackson. Non. Michael Jackson, j'ai dîné deux fois avec lui, moi, parce que dans les restaurants, quand il arrive avec son cuisinier. Ah oui. Et le cuisinier va dans la cuisine et me lui fait à bouffer. Et il veut pas bouffer la nourriture du restaurant. Il voulait être dans l'ambiance, mais il voulait bouffer. Et autrement, c'est un garçon sympathique. Je sais pas, je vous dis qu'il était à côté de moi, mais à 15 mètres, j'ai pas été lui demander. D'ailleurs, il y a plein de gardes du corps autour et tout. Mais il est comme Cherry Blair, il a eu plein de nouveau-nés dans sa vie. Hein. Et on ne voit pas sa tête de toute façon. Ah, il est caché, hein. Il a un côté momie, où il a des bandelettes, des trucs. Ouais. Hein, il est prêt pour les pirates. D'ailleurs, étant donné qu'il ne mange pas le truc du restaurant, il pourrait envoyer quelqu'un qui n'est pas dans le restaurant. Ben oui. Donc lui, il sera chez lui tranquille et il y aura un faux Michael Jackson qui viendrait manger de la fausse nourriture dans un faux restaurant. Et moi, comme j'y suis pas, j'aurais pas pu le voir. Question de M. Tabar. De qui parlait Sacha Guitry quand il disait « Ils disent aux femmes d'ouvrir les jambes et d'écarter les genoux, et elles obéissent toutes. » Le gynécologue. Les gynécologues. Non, les curés. Non. les maîtres de ballet. Les mecs qui font de l'équitation, les profs d'équitation. Non, et pensez. Ah, mais oui, on y pense. Ouvrir les jambes et écarter les genoux. Des accoucheurs. Non. Les motards. Les couturiers. Les couturiers. Les coiffeurs. Hein. Les coiffeurs. Ouvrir les jambes. Allez, non. Ah, je me suis fait poser un bigoudi. Ah, les maîtres nageurs. Les maîtres nageurs. Ah, bonne réponse de Marie-Ange. Que tu as fait de la piscine ces jours-ci. Moi, j'étais vachement. J'étais championne de Lombardèche. C'est vrai. Pardon, on n'a rien compris. C'est quoi? J'étais championne de Lombardèche. De Lombardèche, c'est quel Drôme, avec un D comme digital. Ouais, Lombardèche. Drôme. La Drôme, on dit la Drôme. Alors, moi, j'ai un Dromardèche, c'est comme un chameau. C'est avec seulement une bosse. Et moi, je faisais du papillon. J'étais puissant. C'est vrai, tu faisais de la... Ah, brasse papillon, très difficile. Très difficile, le papillon. Oui, oh là là. Ah, la vache. Merci. T'as vu, hein? Ça fait comme un souvenir. Oh, c'est formidable. Il y a un côté Schwarzenegger, là. Non, mais les hommes n'aiment pas les femmes musclées. Est-ce qu'il y a des femmes sumo? Je sais pas, j'en sais rien. Je vais peut-être monter le truc, moi. Ah oui? Mais non, mais pourquoi? C'est beau? Ah oui, c'est beau. Oui, c'est beau. Ah, ouais. Cette grande culotte. Moi, c'est comme ça que je comprends la montagne. Question de Mme Marie de Hardre. Pourquoi sur tous les téléphones, qu'ils soient fixes ou portables, en cabine, ou même qu'il s'agisse de fax, le numéro 5 est-il matérialisé par un léger relief? C'est pour les non-voyants. Pour que les non-voyants puissent centraliser le clavier et repérer ainsi les autres chiffres qui sont autour. Ouais. C'est une excellente réponse, et ce n'était pas prévu aussi vite, par Jacques Maillot. Vous le saviez, ça, oui, c'est venu comme ça. Je savais. Ah oui. Mais il tripote beaucoup, on est toujours en train d'effleurer les choses. Mais on n'a pas besoin de ça, puisque c'est un carré avec 9 numéros. Mais donc non, on parfois sait que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, c'est plus de 9. Parfois, il y a d'autres numéros sur le côté, parfois. Pas sûr. C'est comme des petits claviers. Moi, je zappe la téloche sans regarder mon... Ah oui, oui. Sans regarder l'habitude. La 1, la 2, la 3, 4, 5, 6. Ceci dit... Il y a une astuce parce que les blue cards, là, les cartes bleues, les blue cards. Les blue cards. Style, je voyage énormément. Je ne parle plus très bien les diplômes de chez vous. Les blue cards. C'est à cause de ça. Mais c'est astonishing. Je suis désolé, mais c'est à cause de ça. C'est Corinne Calvert, comme on disait dans le temps. Donc, en fin de compte, le 5, parfois le 1 commence en haut et parfois il commence en bas. Ça ne veut rien dire. On peut avoir le centre du clavier, mais pas savoir si le 1 commence en haut ou en bas. Ah, oui. Non, ça sert à rien. Vous avez peut-être le milieu du clavier. Mais pourquoi veulent les claviers que nous avons? Ah non, les claviers inversés. Mais non, il y a le 1, 2, 3 est en bas. Mais non, il y a un clavier inversé pour les digicodes. Voilà. Pour que justement, pour que les gens ne puissent pas faire des trucs en regardant. Non, mais alors, pour les claviers de téléphone, ils font le plus simple possible. Bien sûr. Comprenez. Mais les Chinois, non, on a un sens. Comprenez. Mais c'est facile. Mais parler dans votre micro, c'est facile. Réalisez. Question de Madame Tolson. Sur le célèbre tableau La Seine de Léonard de Vinci, Judas dans ses mains? Un téléphone.
Dans la scène, avec un sac en relief. L'addition. Non. Oui, il y a eu des additions, c'est pareil. Alors la carte bleue, il a la carte bleue. La blue card. Il avait quoi? La salière. Non. La poivrière, le pain, reste, de l'eau. Alors, naturellement, Vinci a extrapolé, là, parce qu'il n'y a pas de raison que ça se soit passé ainsi dans la réalité. Mais... La couronne d'épines, déjà, non. En prévoyant. Ah non, est-ce non, que c'est un objet qui symbolise la trahison, non? Oui. Alors, un serpent. Non. Et c'est un objet de tous les jours, un objet... Un objet... Un petit qui tient dans la main. Un billet d'avion. Il tient dans la main. Une zigounette. Non, une pièce. Alors, c'est une bourse dans laquelle il y a les pièces de monnaie qui ont récompensé sa trahison. Bonne réponse de Jacques Maillot. L'argent, bien sûr. Comment elle s'appelle cette monnaie d'ailleurs, les trois? Des deniers. Non, ce n'est pas les deniers. Le dernier du culte. Je ne sais plus. Ah non, c'est peut-être des deniers. Des deniers, oui. Oui, oui. Le cours du denier, c'est moins que l'euro maintenant. Là, il y a une enquête sur les nouveaux rituels qui sont en train, dans notre société, de remplacer les anciens, comme le mariage, par exemple. Oh. Alors, par exemple, les fiançailles. Moi. C'est remplacé par le fait qu'on demande à un prêtre qu'on connaît un peu... Moi, je ne connais pas, moi. De passer à l'apéritif et de dire un petit mot, très simplement. Ça tient lieu de fiançailles. Un prêtre ? Il y a eu un bug. Pourquoi un prêtre ? Le bug de fiançailles. Ça, c'est ce qui reste de la connotation religieuse. Le bug de fiançailles, elle est très, très bonne. Ah, bravo, bravo. Mariez-vous sur Internet. Ah, ça, c'est Paris. Ça, c'est Paris. Mariez-vous sur Internet. Il n'y avait pas de prêtre, fiançailles. Non. Et encore si, on pouvait changer la promesse. Si, c'est très pieux, tu peux fiancer. Bon. Si t'es curé, tu te fiances à l'église. Parce ouais, ouais. Pas alors, il y a de plus en plus de jeunes filles qui vont sauter le pas et qui enterrent leur vie de jeune fille. Et puis alors, il y a un rituel dans les entreprises ou dans les collèges. Les filles invitent à déjeuner dans un bon restaurant la copine qui a fait l'amour pour la première fois. Ah, c'est bien ça. Ça, hein. C'est un rituel. Ouais. Alors, oui. Ça, dans quel pays? En France. Oui, donc, c'est dans les crèches. Ouais, elle bouffe un petit pot, quoi. Autrement, on fête le permis de conduire aussi. Oui. Ensuite... Quand Monsieur Paul a arrosé son permis de conduire, on a fait une fête. Mais c'est pas un curé qui vient quand même pour un apéritif quand on a passé le permis de conduire. Hein. Non. Les habits se servent de tout. C'est Saint-Christophe qui vient quand on a passé le permis de conduire. Et puis alors, le rituel du divorce. On brûle un bouquet de sauge en lisant un poème. On fait une bonne bouffe, on s'allume la gueule et on baisse comme des fous. On enterre les alliances. On enterre les alliances. Ah oui, oui, oui. Quel dommage. Ah, ouais. C'est déjà triste, mais en plus, il faut enterrer les alliances. Non, mais c'est intéressant de voir qu'il y a quelques vieux rituels qui subsistent, mais... On en invente, vous les dire. Monsieur Bouvard, l'être humain n'a plus de repères. Il ne sait plus comment, il ne sait plus comment il vit, vous comprenez. Le sens de la religion, c'est fait la mal. Ben oui, c'est un truc de fou. Il n'y a plus de repères, et d'après une enquête qui vient de tomber, il y a 78% des Français qui pensent qu'il n'y a plus de saison. Ouais, ça, c'est mais c'est faux, mais c'est faux. Il n'y a plus de repères et mères, même. Il n'y a plus rien. Parents, et ça y a vient plus des familles. C'est les Spoutniks, ça, monsieur. Il n'y a plus de fromage. Ouais, comme disait l'autre, heureusement qu'on a du pognon, parce que sans ça, alors, on aurait toutes les raisons de se plaindre. Hein. Il n'y a plus de saucisson, la peau du saucisson. Bien sûr. Tu as raison. Elle respire plus. Elle respire plus. Elle a plein de prions. Parce que le boyau de la vache, il n'est pas de bonne qualité. Maintenant, ils font le saucisson avec des préservatifs usagés, c'est vous dire. La vache folle, elle a des boyaux bargeaux. La vache, elle devient folle et puis ses boyaux... Après, on lave le boyau et tout, puis le boyau, il a plein de... Il est fou. Alors ça fait du saucisson fou. Et quand un mec a la saucisse folle, il devient fou. Ah, ouais, joli. Ouais, tout fréquent, hein, tout fréquent. Hein. Ça a plus d'élasticité, ça fait du saucisson sec. Ah, on est mal parti. On n'est pas arrivé. Valeur, on vous dit. Et le boudin, c'est pareil.
Le boudin, c'est pire. Ah oui. C'est pire. Bah, j'ai vu des... Enfin, je ne veux pas vous raconter. J'ai vu des boudins, j'en ai pleuré, moi. Oh, des boudins qui étaient comme ça, ils avaient mis des boyaux de chat à la place. Vous vous rendez compte ? C'est dégueulasse, tu ne pouvais même pas jouer au tennis avec. Ouais. Et quand vous coupez votre boudin, ça fait miaou, c'est affreux. Ils s'en foutent tous les trois. Ah, puis ça va vous rendre, sinon triste, au moins un peu nostalgique. La Banque de France vient d'imprimer sa dernière coupure de 500 francs. Ah. Oh. Après, il n'y aura plus que des euros. Des euros, oui. Donc, ce Moi, sont les derniers curies. Franchement, je m'en fous. Quand même, le billet de 500 francs a joué un certain rôle dans votre vie et dans votre carrière, non? Non, je vais vous dire, parce que j'ai toujours été contre les billets français. Pourquoi? Comme j'ai toujours été contre les cartes d'identité, les passeports et les trucs français, un petit peu moins maintenant pour les passeports, parce qu'on n'est pas foutu d'avoir les billets du même format. Et ça, je trouve ça stupide. Ah, moi, je trouve ça formidable, parce qu'en Amérique, je m'emmerde drôlement, parce qu'il faut lire... 1, 5, 10, 20, 50. Tandis qu'on voit que tu reconnais, garder chez nous les billets de 100 et de 200 francs qui se ressemblent, c'est très embêtant. Mais l'euro, c'est bien parce que ça va être un billet qui va se rétrécir, parce que l'euro, il n'arrête pas de... Ah oui. Dites-moi, je ne sais pas si vous avez vu, c'est dramatique, mais enfin, devant le tribunal où on jugeait les dirigeants du Club Med pour un accident, d'ailleurs... On remonte à 8 ans, on en a appris de drôle sur la façon dont ça se passait à l'intérieur des appareils. Le pilote avait fermé la porte avec une corde, et ce qui n'empêchait pas de voir un jour entre cette porte et la carlingue. Après, il s'est levé une bouteille de whisky à la main. Les sièges étaient défoncés, les ceintures de sécurité cassées. Le pilote, il avait 67 ans, il avait des problèmes de vue et d'audition... Et il buvait même à bord. Oh là 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 là. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a confondu la piste d'atterrissage avec une allée en sable éclairée de trois lumières devant un hôtel. C'était un vieil américain. Un vieil américain, il ne voulait même plus lui donner sa licence de pilote là-bas. Ouais. Mais ça, non. C'est des vieux américains qui ont été récupérés par les compagnies africaines et asiatiques. Enfin, maintenant, non, parce qu'en Asie, c'est bien maintenant. Mais moi, je me souviens avec Rassam, un jour, on était au-dessus de Vientiane. Et on faisait des repérages pour un film qui s'appelait Le Chinois à Paris. Donc on était allé à Hong Kong, on revenait à Vientiane. Et on avait pris un avion à hélice comme ça. Et pendant tout le voyage, on était à l'arrière où il y avait une sorte de petit salon. Et il y avait un mec très très gentil et très très marrant qui discutait avec nous. Et il buvait des coups, mais il était bourré comme un machin. Le mec, à un certain moment, il y a une hôtesse qui est venue, elle a dit « On arrive, il a devant un cinéma, il faut que je fasse un atterrissage. » Il est reparti. Il avait fait tout le voyage à se bourrer la gueule avec nous pendant 2 heures à l'arrière, en pilote automatique. Donc, l'atterrissage était comment? Ah ben le mec, il est tombé, il a fait comme un mec qui fait un demi-tour avec une moto, quoi. C'est vrai? Ah oui, oui. C'est pour les dérapages, clac, il est arrivé juste devant la porte du... Question de Monsieur Saint-Jean. Pourquoi en 1943, les Anglais firent-ils acheter en Suisse toutes les cartes routières du Nord et du Pas-de-Calais? Pour le débarquement, pour préparer le débarquement, non? Pour pas que les Allemands puissent les avoir. Attendez, les cartes du Nord et du Pas-de-Calais. Pour le mur de pour les blocos, pour construire les... Alors, il s'agit bien d'un débarquement, mais c'est pourquoi par rapport à un débarquement? Parce qu'on voyait la côte anglaise, il les distribuait. Il les achetait, et évidemment cet achat ne passait pas inaperçu des espions. Ah oui, pour faire croire que le débarquement aurait lieu dans le nord de la France. C'est une bonne réponse de Jacques Maillot, et merci à Pierre Bénichou. Ça, c'est très, très, très. Et fort. Les Allemands, ils ont gobé ça? Tu mets des mecs masqués, par exemple, devant une quinzaine de banques, tu mets des mecs avec des qui se baladent, avec des cagoules. Oui. Devant des banques. Les flics qui surveillent, tant que le mec n'est pas rentré dans la banque. Oui. Il n'a rien fait, toi. Les mecs, ils disent, il y a des mecs avec des cagoules, là-bas, ils vont attaquer la banque. Donc, ils envoient des renforts dans toutes les banques, et toi, tu vas dans les autres banques où il n'y a personne. Oui.
Madame Douchy demande pourquoi François Ier et Henri VIII n'ont-ils pas pris part au festin qui était préparé en leur honneur au camp du Drap d'Or. Ils avaient une rage de dents. Non. Ils se méfiaient. De quoi? Empoisonnement. Oui. Ils avaient peur de se faire empoisonner. Bonne réponse de Pierre Bénichou et Joya. Question de Madame Fontaine. Quel est le registre vocal situé dans l'aigu et qu'on utilise pour chanter la tyrolienne? La voix de sifflet? La voix de colorato? La non. voix de soprane? Un contruc? La voix de tête? Non. Bah ça alors. Parce que la voix tyrolienne, c'est qu'on mélange le registre grave et le registre aigu. Comme ça. Alors c'est quoi cette voix? Le Haider, non? On a dit d'ailleurs que la tyrolienne avait été inventée par celui qui avait déjà mis sous au la torture, point il paraît. L'engrenage. Oui. Ah oui. L'engrenage. Et le jour où il se laissait prise dans l'engrenage, il avait inventé la tyrolienne. D'accord. Non. Une voix de sifflet, voix de sang. On fait appel à la voix de tête. De tête, oui. Non. De gorge. De cou. Vous avez dit la voix de sifflet. Non, c'est pas la voix de sifflet, c'est la voix de crécelle. Non. Tambour. Non. Trompette. Non. Trombone, clarinette, au bois. Non. Ça ressemble à sifflet, la voix de... Ça se termine comme sifflet. La voix de fossé. Poulet. Voix de fossé, elle l'a dit. Bonne réponse de Marianne. La voix fossée, vous auriez dû trouver tout de suite. Cher monsieur, ça vous retombe dessus. Oh, oui, absolument. Oh, regarde le méchant. Oh, j'aime bien être vache comme ça. C'est en fin de compte une voix, c'est ce qu'on appelle mixer les registres. C'est de passer très rapidement de la voix grave, la voix gutturale, à la voix aiguë. Ils font comme ça, avec la glotte là qui bouge dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'ils ont des petites culottes en peau, les tyroliens. Oui, ça leur coince ça, les... Ça stabilise. Et... Ah, tu fais bien la voix de... Voilà, c'est ça. Oui, et puis avec une plume au-dessus, c'est tout. Ils chantent pour la blaireau. La plume au-dessus, hein. Vous avez déjà chanté la tyrolienne? Ah non, c'est vraiment d'une technique très très particulière. Il faut l'entendre ce truc-là, c'est vraiment impressionnant parce que... non, ça va très 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 vite. C'est des sons très particuliers. C'est le sud de l'Allemagne là-bas, je crois, enfin dans le Tyrol, quoi, tout simplement. Moi, j'ai eu un Tyrol dans un film dernièrement là. Ils m'ont fait faire un autrichien. La base de la tyrolienne, c'est Troulalaïtou, c'est ça, non? Ah oui, Troulalaïtou. Troulalaïtou, Troulalaïtou. Oui, c'est ça. Mais plus vite. Ouais. Mais plus vite, c'est le trou, mais plus vite. Ah d'accord. Est-ce que vous êtes au courant de la nouvelle croisade de Charlton Heston? Non. Pour les armes? Oui. Mais de toute façon, il est patron de ça, ils veulent absolument... Je suis déçu. Mais il est tellement beau dans Ben Hur et tout ça. Et maintenant, il est le pro, c'est le flambeau, l'image de... C'est le président de la National Rifle Association. Ouais. C'est-à-dire le droit d'avoir une arme, d'être enfouraillé jusqu'au... Et il s'oppose à Al Gore, qui est candidat à la présidence, sur ce point, en disant qu'il n'abandonnera jamais les armes. Et que Al Gore devra marcher sur son cadavre. Oh là là. C'est un vieux con, excusez-moi. Ils ont trouvé un bon argument, d'ailleurs. Moi, je suis absolument contre les armes, évidemment. Mais ils ont trouvé un bon argument. Ils disent, si vous interdisez au public d'acheter des armes, seuls les voyous auront des armes. Oui, bon, c'est de la veine que messieurs les assassins commencent. Oui, bien sûr, c'est une connerie, mais j'ai dit ça. Si vous n'avez plus d'armes, dites-vous, tu veux acheter pour les armes aussi. Quoi? Je t'ai gossonné, moi. Ding-dong. Il a le droit de ruminer. Ruminer ou ruminer? Je rumine en moi-même, personnellement, pour ce qui me concerne. Question de Madame Parizeau. Quel est le nom donné au plus petit des pianos à queue? Crapaud. Crapaud, très bien. Bonne réponse de notre diva. Un crapaud. Quel est le nom donné au plus petit des crapauds à queue? Ton beau-frère. Monsieur Pontel demande, quels sont les véhicules qui bénéficient d'un graphisme spéculaire? Vous rentrez chez vous, vous prenez votre dictionnaire et vous répondez après. Alors, spéculaire. C'est les autobus, non? Non. Ça veut dire quoi, spéculaire? Spéculaire, ça va être comme speculum, c'est-à-dire quelque chose qui... Ah, mais c'est sûr! Ah oui, alors, allez au bout de votre idée. Un graphisme spéculaire, ça veut dire où l'on... Qui rentre dedans? Non, par quoi l'on peut voir, spéculaire, non? Pas le spéculum, par quoi l'on peut voir un spéculum, ça veut dire quelque non, chose. Non, c'est spectaculaire là, le truc. Alors, les véhicules spéculaires, je parle
Oui, dans les sous-marins, avec une avancée qui permet d'aller observer au bout, je sais pas. Non, ce que dit M. Bénichoux est brut de décoffrage, mais pas totalement indifférent. Merci, vous êtes très aimable. Un machin qui permet de détecter là où on va. Non. De se diriger. Non. On rentre dans quelque chose. Speculare, ça veut dire voir. Oui, mais on ne voit pas de... Enfin, bon. C'est des phares. Il se trouve que Vinci était tout à fait adepte de ce procédé. L'aéroplane ? Non. L'UV ? L'UV, non ? Non. Il avait fait l'UV. Il a tout inventé, hein, Léonard. C'est ça. Alors, mais ça éclaire, ce machin-là, ou ça... Non, ça éclaire pas. Bah, ça, alors, c'est la chaîne, c'est la transmission ? Non. Le sourire de la Joconde ? Non. En vert ? Pour qu'on puisse voir à travers. Non. Le véhicule voit, mais on ne voit pas le véhicule, je ne sais pas. Non. Bon, alors, ça existe de nos jours ? Ça existe de nos jours. Dans le matériel urbain, c'est-à-dire dans le mobilier urbain, on voit pas souvent les choses ? Quand vous êtes dans une ville, vous êtes souvent dépassé ou suivi par des véhicules qui bénéficient d'un graphisme spéculaire. Je sais ce que c'est les ambulances et les voitures de police. Exactement, c'est écrit à l'envers pour que dans les rétroviseurs, les automobilistes voient de quoi il s'agit. Voilà. C'est une bonne réponse de Jacques Maillot et merci à Jean-Yves. Et j'ai parlé de Léonard de Vinci parce que Léonard de Vinci a écrit une partie de son œuvre de façon spéculaire. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut mettre le papier devant un miroir pour pouvoir lire ce qu'il a écrit. Mais nous, on est à l'envers, hein, parce que quand on se regarde dans le miroir, on est à l'endroit. Au revoir, au revoir. Je vais chercher la blue card, au revoir. Dernière citation que nous envoie M. Scram de Dunkerque. À Darwin, qui lui disait que l'homme descendait du singe, qui a dit « Mon Dieu, pourvu que ça ne se sache pas !» Ah, c'est... Oui, oui. Qui a répondu ça à Darwin ? Il y avait un mec qui disait « L'homme descend du singe, singe ». Ouais. C'était Pierre-Jean Layard qui disait ça. Mais je ne me rappelle plus qui. Il disait, lui, il descend pas du singe, il y remonte. Oui, mais c'était... Mais c'était un copain de Darwin, par le fait. Ouais. Non, pas un copain. Contemporain, forcément, bien sûr. Alors, et pas n'importe qui. Personne extrêmement importante. Un chercheur ? Un peu conformiste, hein. Un peu conformiste. Mm-hmm. Hein? Quand même. Mm-hmm. Mais quelqu'un qui a rayonné sur son siècle, hein. C'est encore une référence aujourd'hui. Alors, Darwin, c'est quelle époque ? C'est un conservateur. Ah oui. Anglais. Bien sûr. D'Israéli. Non. Non, mais très proche de d'Israéli. Ben, c'était la reine Victoria. La reine Victoria. Wow. Bonne réponse de Jean-Yann. Bravo, merci. À la prochaine. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.